Peut-être pas profiter des paysages. On l'a moins regardé sur la fin, effectivement. Tu m'as dit les nudistes. T'as raison, allez, j'ai dit. C'est Dominique qui se prépare pour son 22e, sa 22e foulée des Baïnes. Voilà. Très beau départ. Ah, vous y allez, hein, comme ça? Ouais. Tranquille? C'est ça. Tranquille, c'est votre premier, là? Ouais. Ouais, d'accord. On a un peu la pression. Vous faites que le 11 km, vous n'avez pas voulu faire le 31? On a un peu la pression, mais ouais. Ça va. Vous avez d'accord. Dit 2 km, alors ça. Ouais, 2 km, d'accord. On va voir, hein. Je vais vous surveiller. Hein. Oh, du plaisir, mec. C'est sa femme qui dit ça. Et voilà, c'est parti. Alors une course, ça ne peut pas se concevoir sans organisation. Et là, sur la course des Baïnes, comme sur celle des marathons, il y a des authentiques bénévoles. Voilà, les authentiques bénévoles qui font les courses, beaucoup de courses d'ailleurs. Vous avez fait le semi aussi? Voilà. Ah, alors attendez, là j'ai quelqu'un de fidèle. Là. Ah, vous êtes fidèle? Ah, tout à fait, à oui. Toutes les courses. Toutes les courses de la presqu'île jusqu'à Ferré, oui, oui. C'est génial, ça, merci. Hein. Même bravo. Au randonnée, même au rando. Ah, bah bien voilà. Sûr, oui, oui. D'accord. Et vous aussi, là, ça fait des années que vous faites ça? Non. Ah, des mois. Ah, bah c'est bien déjà, c'est bien. Et ça vous plaît? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup, oui, bon, c'est une bonne ambiance. Oui, très. Voilà. Très. En plus, vous rendez un sacré service aux coureurs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à manger, là? Du sucré. Du salé aussi. Ah, oui, du sucre, des amandes. Ah oui, il y a des figues, c'est sympa. Hein. Ah oui, ils ont plein de trucs. Hein. Des abricots secs. D'accord. Ah, c'est bien. Voilà, les pommes, après on coupera les pommes, mais on attend un peu, ça ah oui, oui, les bananes. Voilà. Ils ont quand même du coca aussi. Ils ah oui, ils ont droit au coca là. Voilà, ben oui. À la fin, ils ont droit là, c'est bon. Ouais, ouais, c'est sympa. Bon, ben bravo. Hein. Vous les attendez, ils vont pas tarder à arriver. Hein. Les premiers en tous les cas. Ah, la musique monte. Ouais! Bravo! Bravo! Oh là 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 là! Elle se fait chier! Je suis trop contente! Elle est en direct sur Insta! Yes! C'est bon ça! T'as passé votre course? Bravo! Ouais, moi j'ai fait deuxième, alors je suis plutôt contente! C'est génial! Bravo. Ouais, c'était dur par contre! C'est votre première course hein, de Baïnes? Ouais! Ah ouais. C'est dur hein! C'est dur! Ouais, c'est bravo, deuxième! Fantastique! Ouais, ils auraient pu casser le sable à l'arrivée quand même! Ah, oui. Si, génial! Bravo! Allez, la troisième fille! Bravo! Bravo la quatrième! Bravo! Il porte le dossard! Bravo! 1131! Charles Vasseur! On l'a vu tout à l'heure débouler des dunes, mais tel un avion! 45 minutes! Dans ces conditions-là, c'est quand même assez exceptionnel! Bravo! Bravo! Il s'agit du dossard numéro 30-27. Et voilà le deuxième de cette épreuve. Ah, celui-là il a encouragé là. Ah, c'est qui arrive là? Zanakone, dossard 12-12. Zanakone, allez! Zanakone, dossard 12-12. Attention, le troisième arrive. Bravo, alors là. C'est son premier. On l'applaudit. Ah, mais c'est son premier, dis-le bravo. Hein. C'est vous qui allez lui donner la détermination. Bravo, Zaza. L'énergie nécessaire. Bravo. Avec le dossard 1212. On m'a dit que Zaza c'était son premier Baïn. Et bravo Zaza, troisième déjà pour le premier. Ah oui, vraiment, c'était pas facile mais je me suis accroché comme je peux. T'as super bien couru. T'es pas habitué à ce type de course? Ah non, vraiment, c'est la première participation donc vraiment. Ah mais génial, écoute, on veut voir plus la prochaine fois, tu es sûr de gagner maintenant. Hein. Oui. T'es trop fort, bravo! Merci beaucoup, merci, bravo. C'est gentil. Oui. Bravo! Quatrième de cette épreuve, 11 km, wow! Sur la foulée des Baïnes, 2022, allez. Quatrième position pour le dossard 10-97. Oh, bravo! Bravo! T'as pas forcé? Non. Ah bon? Je croyais que c'était un échauffement pour le 22 après. Ah d'accord. J'ai pas compris les règles. Non mais c'est vrai. Non, c'était dur sur la place. Mais c'était dur sur moi. Ah le cagnard là. Ouais. C'est la première fois que tu l'as fait cette course? Ouais, c'est la première fois. Ah d'accord, chapeau. Bah ouais, je suis content. Tu cours sur quoi d'habitude?
plutôt sur route ou... Bah là, je suis blessé depuis un an, donc c'est ma première compète depuis plus d'un an et demi là. Ah ouais. Donc d'habitude je fais un peu route et cross. D'accord. Et là c'était la première, je trouvais ça super. Non. Donc je la referai. Bah, c'est génial. Bien, bravo Julien. On dit 11 km, mais c'est un kilomètre dans le sable, dans les dunes, donc c'est du sérieux. Hein. On a le cinquième qui arrive. Allez, voilà, bravo. Ouais. Yes. Wow. Oh là 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 là. Voilà les 6 et 7 qui arrivent. Bon, le 6, il a enlevé le t-shirt. Hein. Plus calme. Voilà. Allez, continue. Les champions qui arrivent. Bravo. Oh là, il y en a un qui est tombé là. Oh là là, oh là le pauvre, il est pas bien. L'organisation est impeccable, on a les secouristes qui arrivent. Voilà. On l'aide pour finir sa course parce que il le mérite, c'est un champion, il voulait absolument finir. Voilà, bravo. Bravo 849. Bravo. Il a besoin de vous. Allez, bravo. Mais sûr. Le Dossard, 1489. Le 1232, bravo. Copain qui l'attend, c'est sympa ça. Bravo tous les deux, bravo. 07 et 1577. Un pote qui attend Sergi parce qu'il le reçoit. Bravo, bravo, bravo. Allez, bravo. Voilà, de belles arrivées là. Bravo, encore une dame, bravo. Bravo, bravo. Donnez tout. Allez, bravo. Bravo. Allez, bravo, c'est bon, bravo. C'est bien, super bien. Copain. Allez. Il y a Claoué qui passe. Enfin, bravo. Vous êtes vraiment champion, Robin. Oula. Allez, je fais les derniers mètres avec vous. Bravo. Super aussi. Ouais, super. Ça, bravo, super. Monsieur, bravo. Bravo. Super. Bon. Ça y est. On se voit tout à l'heure. Allez, les jolies coupes qui arrivent. Les deux frangins. Allez, bravo. Allez, encore quelques mètres. Allez, bravo. 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 Et vous êtes... J'attends Dominique pour son 22e, sa 22e édition, la foulée des Baïnes, notre recordman, puisqu'il a fait toutes les foulées des Baïnes, donc il ne devrait pas tarder. Dominique va arriver, il a réussi le pari de faire son 22e foulée des Baïnes, c'est quand même assez exceptionnel. Donc là, on va aller lui faire un gros bravo. Mais c'est énorme, bravo! Bravo! Mais c'est génial! Bravo! Bravo, bravo Dominique! Bravo, super accompagnement, bravo! Bravo Dominique! T'es trop fort! Bravo! Ça c'est fait! C'est génial, allez, t'accompagne! Allez, allez, on y va! On allez. Accompagne Dominique! 22! 22 foulées des Baïnes! C'est pas n'importe quoi! Hein. Bravo! Allez! Ouais. Là on est champion! Attention, ah, c'est génial! Et notamment à cette jeune fille avec la béquille, attention, il pourrait y avoir des accidents! Bravo Dominique! Hey. Bravo! 22e foulée des Baïnes! La 22e! Attention! 22e! Bravo! On est sûr! La première bravo! Fille. Génial! C'est bon! 22! On l'applaudit! Ouais. Allez, c'est bon, 22e! C'est bien, bravo! 100! 22e! C'est énorme! Je les retrouve tous les trois! C'était super, hein! Heureusement, j'étais bien accompagné par Kitri. Oui, bravo, tu l'as bien accompagné, c'était cool. Ouais, c'était super. Et puis lui aussi, il était devant un peu, mais voilà. Il t'a accompagné dans une partie aussi. Oui, une partie, ouais. Bon, puis génial. Après, il est parti, mais c'est bon. C'est bon. Mais non, on va aller boire, va manger, voilà. Allez. Prenez les forces, toi aussi. Bravo, c'est sympa. Allez. On va laisser tranquille Dominique maintenant. Dominique, je vais te laisser. Eh ben, je suis très fier, très content. 22e. À l'année prochaine pour les amateurs de la foulée des Baïnes. À l'année prochaine, j'espère. Voilà. Mais, bien sûr, j'y serai. Bah, bravo. Et t'as toujours le même dossard? Tu l'as pas gardé? Toujours le même dossard et le même t-shirt, jamais lavé. Non. Et là? Là, chaque fois, Décathlon, tu vois, bientôt, il m'a dit, il va peser 3 kilos, ton t-shirt. Chaque fois, ils me font... c'est le même t-shirt. Et là, il va sécher, il sera pas lavé. Excellent, excellent. Ciao, Dominique, bravo. On va essayer de voir s'il y en a qui veulent me parler, là. Alors, cette course, monsieur? Ah ben, écoutez, c'était la première pour moi et... Ça s'est bien passé, je suis très content. Vous reviendrez d'avoir participé. Oui, on a pris rendez-vous avec mon ami pour l'année prochaine. Ah, parce que vous, c'était pas la première. Deuxième édition, mais toujours aussi dur, mais super sympa, super sympa. Bon, et vous, mesdames, alors? Alors, nous, c'était la première et difficile, mais on est content de l'avoir fait. C'est génial, oui. Difficile, mais voilà, on est arrivé, c'est ça. Alors, vous n'avez peut-être pas profité des paysages, mais bon. On l'a moins regardé sur la fin, effectivement. Tu m'as dit les nudistes. Ah oui, t'as raison, allez, j'ai dit. Ça s'est bien passé, votre 11?
dur. Dur, très dur. Hein. Mais bon, ouais. La fille, vous l'avez fait, c'est bien. Ouais, ouais. Vous l'avez déjà fait? Jamais, première fois. Ah ouais. Et vous ça avez fait... aimé sinon le sable? Ouais, ça pique les mollets quand même. Ouais. Mais c'est une reprise. Ouais, bravo. Là, attention, là, il y a un débriefing là. Là, vous débriefez là. Hein, oui, oui, un peu, ouais. Ouais, alors C'est dur. Ouais, très dur. Vous avez assuré? Ah oui, oui. Voilà. Ouais. Et vous aussi, vous parliez, c'était vous qui parliez. Hein, ouais, j'ai dit que c'était une très belle course. Ah, ouais. Au moins, on a une très belle vue, ça motive. Ah, c'est ouais. Ça, exactement. Bon, il paraît-il qu'il y avait une vue particulière vers la Génie. Tout à fait, donc ouais, ça motive ça, un ça petit motive peu. Aussi. Il y a quelques dunes, des dunes blanches. Ben oui. Ah. Tu l'as même pas vu. Ça m'a gêné. Ça vous a gêné, vous? C'est bien votre concentration. Je le savais. Hein. J'ai les coupes de pommes, elle m'avait dit. Hein. On coupe au dernier moment, que ça ne soit pas trop oxydé. Hein. Bon, ça va, ça se passe bien le ravitaillement là. Ils ont faim et soif. Allez-y. Hein. Ils ont soif d'abord. Bon. D'accord, ils ont d'abord soif. Bon. Ah, à faim aussi. Hein. Oui, ah. Ça va, vous êtes. Comment ça s'est passé? C'était ma première, ouais, c'était dur un petit peu. C'était dur, ouais. Oui. Mais vous avez aimé? Ah oui, très joli. Vous reviendrez? Ah oui, je reviendrai l'année prochaine. Bon. Génial, bravo. Ouais. Bravo à vous en tous les cas. Merci à vous. Merci. Allez, voilà. Bravo. On quitte. Un joli dossard. Ça y est. Au revoir, on va retrouver ici. Là, c'est les concurrents du 22 km qui arrivent progressivement. Allez, voilà, le 22. Bravo, bravo. Cette année, c'était honneur aux 11. C'est une belle aventure également. Mais vous avez raison parce que j'en vois pas beaucoup le faire. Hein. C'est important. Hein. De quoi? De se tirer? Qu'est-ce que vous faites là? Mais vous on est les seuls, on comprend pas pourquoi on est les seuls. Mais oui, moi quand je courais, parce que je suis un peu feignant maintenant, mais c'est ce qu'on me disait toujours, effectivement, après courir. Vous le faites. Mais effectivement, c'est bizarre au Cap Ferret, il n'y en a que trois. Hein, et oui, les meilleurs. Ouais. Et les meilleurs. Les courageux, les responsables. Ouais. Bon, bravo. Bravo à vous. Hein. Pendant ce temps... De nombreux vacanciers, enfin nous sommes un samedi, alors forcément le temps n'était pas si mauvais que ça. Une petite brise bien sympathique pour rafraîchir, et puis un temps un petit peu voilé maintenant. Voilà, mais on a beaucoup de baigneurs quand même, alors qu'ils doivent faire très attention puisque la plage n'est pas surveillée. Et vous le savez, il y a eu beaucoup d'accidents ces derniers jours, hein. Donc je vois que les gens sont assez prudents, donc il vaut mieux, avec les baïnes, il vaut mieux l'être. Voilà, puis vous voyez, il est presque 6h, il y a encore beaucoup de monde sur la plage du Grand Croc, qui est une très jolie plage que je vous invite à découvrir. J'ai un petit reportage là-dessus sur TV Cap Ferret, sur les 7 plages de notre presqu'île, sachant que la plage du Grand Croc, c'est la plage qui est la plus facilement accessible, puisque en venant de Bordeaux, vous n'avez même pas à rentrer dans la presqu'île proprement dite, vous pouvez directement tourner à droite, en direction de Lège, pour aller sur la plage du Grand Croc.